tenu la sieste, ça vous a fait du bien ou pas? Ouais. Micro-sieste. Vous savez qu'après micro-sieste, il faut refaire les activations cognitives, les échauffements, ouais, tout ça. Fait ça. Vous avez fait ça? J'ai essayé de. Bon alors, du coup, gameplan contre l'OM, les mecs. Donc que ce soit sur Diogo ou que ce soit sur Samistra pareil. Et après dans la surface, on sait que ça va très vite sur des passes sur une touche. Donc ça, vous avez l'habitude. Vous l'avez bien fait là, même contre sur le 2v2 là, sur le petit axe de milieu. Et surtout n'oubliez pas les gars, ce soir, c'est Marseille. Marseille, que ce soit Diogo, Samy ou qui vous voulez, Marseille, c'est le match qu'on gagne absolument à tout prix. Peu importe le scénario, peu importe la physionomie des matchs, que ce soit sur les 2 de 1v1 ou sur le 2v2, c'est Bordeaux-Marseille. C'est le match, on le gagne. Par contre, on le gagne pendant les parties. On le gagne pas avant en disant ouais ça va être facile parce que bah ouais on a tapé Mino Rezia, bah, c'est bon, c'est Diogo Samy, non. T'as remis Donnarumma régulier. Ouais. T'es un psychopathe. Tu le sais. Tu sais que c'est dans ta tête. Ouais. Bah en fait le Totti il avait acheté dans mon équipe son coup. Oui, c'est oui. Trop de dingue. Plus jamais je. N'oubliez pas les gars, on gagne ensemble, on perd ensemble. On est tous une équipe, tout l'école, tous les intervenants, tout le monde. Ok? On se donne de la force, les gars, surtout. Ok? Allez, on se donne de la force. Allez, on est parti, Brian, dans ce match entre, non pas Rezia et Manica, mais c'est bel et bien Diogo Peixoto qui va évoluer avec le maillot olympique de Marseille blanc, les Girondins de Bordeaux de Modric, eux, seront en bleu. Ouais, c'est pas grave, du bain, je suis en bleu, mais s'il faut, pour les stabiliser. C'était parfait, le ballon qui est récupéré avec Ronaldinho et l'ouverture du score. Bon. Et attention, parce que peut-être avec une autre occasion voilà. Pour Ronaldinho, l'appel dans le dos de la défense, c'était parfait. On va en rester là, Kanto, même si oh, le bon pressing est... Ouh, ouais. L'erreur de Diogo qui va pas, hein, va pas lui coûter trop cher. Là. Bon. C'est bien. Allez, c'est bien, pour Galvage, c'est important, c'est un but, c'est important. Allez, ça c'est pour le classement. Je mérite mieux que ça. Ouais, t'as accéléré un peu tard. En mi-temps, il n'y a pas eu de frappe, il n'y a pas eu cette occasion. Tu vois. T'as fait un match entre deux. On va se concentrer, on donne la force à Bilal et on va aller chercher sur le 2v2. Concentre-toi déjà sur le 1v1, toi, ok? Bordeaux, maillot bleu, l'Olympique de Marseille, maillot blanc, on est parti. C'est Mbappé de FIFA qui va toucher le premier ballon de ce match. Mbappé 2 là avec Neymar, on va aller très vite de l'avant, ce speed boost avec Mbappé. Mbappé le face à face, ça fait déjà 1-0. Quand on parlait de match explosif dès le début du jeu, là, 2-3 passes du côté de B2, plein axe, un speed boost et ça fait 1-0. Le match est parfaitement lancé côté bordelais. Jouer à 2 du côté de Samy Lumine avec Neymar dans la surface de réparation, petite virgule et la passe. Là, c'est une approche intéressante hein, du côté de Samy. On sait, oh, attends, je pense qu'il est dans le Montagny ou pas, je crois qu'il n'y a pas hors jeu. Ça a été levé, je crois, vu la réaction des deux joueurs. Il n'y a pas hors jeu, quand on. Super. Par contre, la deuxième mi-temps, je voudrais qu'il soit plus serein. Bon, t'as vu, quand tu veux ton jeu, il peut rien faire. Ça va trop vite. Tu fais la différence du côté Neymar avec Zidane pour Léo Messi. Zidane, c'est parfait. C'est magnifique. Ok. Allez, c'est pour toi, c'est bon. De la part de Samy pour Neymar qui va tout droit. La frappe de Neymar et la relance catastrophique de la part de Samy Lumine. Bien on va joué. Peut-être avoir le but du vrai. Oh là 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 là. C'est parfait quoi, pénalty, ouais, pénalty, ah, effectivement. Il lui a fait la misère. Incroyable. Ah, là, c'est pas beau. Magidi Cancel placé au parfait moment, le gardien en partie complètement à l'opposé, magnifique. Prends ton temps pour tirer, on a travaillé les curseurs, c'était tranquille. De FIFA à l'opportunité de remettre les Girondins de Bordeaux sur les bons rails avec Ronaldinho à la Panenka. Quel manque de... T'es vraiment un ouf. Tout le monde sait qu'il tourne au milieu, mais le mec fait une panique au milieu. Ok. L'opportunité rendue trop rapidement à Mbappé FIFA qui voilà, va se présenter devant le but avec Ginola au deuxième poteau à présent certainement dans ses petits roll-ball, c'est parfait. Oh là là là, de la part de B2, il n'a pas tremblé, le voilà qui mène 5-2 et qui va permettre aux Girondins de Bordeaux de revenir à un point partout dans ce BO3 et direction le 2v2 pour les Girondins. C'est ça B2, c'est ça. Tu vois, il a deuxième temps. Deuxième temps, t'as été serein, t'as vu ton jeu, tu l'as tué, normal. Et tout le travail qu'on a fait toute la semaine, tout ce qu'on fait là, c'est maintenant, c'est ce match-là. Et ce match, en fait, c'est votre match. Vous kiffez. Le 2v2, vous avez vu comment vous jouez, ils ont eu du jeu, ça part de partout, ça fait des scores, c'est ce qu'on veut voir, en fait. C'est maintenant. On l'a dit, Bordeaux-Marseille, c'est un match qu'on ne joue pas, on gagne. Là, on le gagne, ce 2v2.
Et on est parti justement dans la rencontre. On garde les mêmes maillots, l'Olympique de Marseille avec le maillot blanc, alors que les Girondins de Bordeaux seront avec ce maillot bleu. Il y a de l'espace là pour Bordeaux sur le côté droit avec Messi. Il y a de l'espace, on va rester à trouver Mbappé en une touche de balle. C'est bien fait. Ronaldinho qui est passé devant. Ronaldinho la frappe croisée et ça fait but. Ça fait 1-0 pour les Bordelais qui, encore une fois, en 2v2, prennent le lead dans ce match. Ouais. Tellement, voilà, était parti, était monté. Il faisait la touche, donc on a tout de suite trouvé ce décalage. Attention là, la légalisation de Samy Lubin. J'ai pas vu. Donc on a un tout petit peu plus de temps devant. Faut qu'on se précipite. Les dernières passes. Ouais. J'ai pensé à vous parler, et par contre, des fois, on n'est pas à profondeur assez tôt. Prolongation, encore une fois, les Bordelais qui sont coutumiers du fait, ça leur réussit pour l'instant, peut-être qu'il y a des choses à faire de leur côté. Derrière, on n'a pas concédé d'action en fait. On a pris un angle, c'est tout. Un engagement, un tir de loin, c'est tout ce qui s'est passé. Dans le jeu, on est mieux. Allez, parfait. Puisqu'ils sont obligés de sortir sans arrêt sur le porteur du ballon. Ouais, attention, Kanto, je t'arrête. Ouais. Neymar qui est trouvé dans la surface, Neymar la frappe croisée, magnifique. C'est ça qu'on veut, allez. Les Bordelais encore une fois qui vont défendre sur l'axe. Ah bien joué. François très très bien. De l'autre côté il y a du monde. Dans l'axe également. Mbappé va-t-il avoir ce ballon? Non, c'est pas récupéré. Ouais. C'est bien donné. Ronaldinho le passe à passe pour plier l'espace. Peut-être la passe. On fait pas la passe, on va y aller tout seul. Côté Modric, le timing vert au premier poteau. Et c'est plié quant aux Bordelais qui vont se retrouver en 2-1 dans cette Ligue 1. L'équipe de rookies qui nous cesse de nous surprendre. C'est ça, Bordeaux-Marseille, on le gagne ce match là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon ça, bien joué ça. Let's go, c'est ça. Merci les gars. Oh B2, comment tu t'es fait allumer sur le live, ça m'explose. Pour l'arc-en-ciel ? Non, quand t'as tapé Samy à la fin du match, ouais B2 c'est une grosse p***, tu fais que des triangles et tout. What ? En fait, c'est pour faire durer le suspense. Comment on remet dans mon âge, mon cœur, à un moment donné, tranquille les gars. Ah, mais ça, il n'y a pas eu de sens de tir au but. Et lui, toute la semaine, on dit travaille les pénalty, tire pas au milieu, il a un pénalty, il fait une panienka dans l'axe. Je regarde à droite. je regarde à droite, il part à droite. Il t'a croisé. Ouais. Mais moi je tire au premier tous les jours. Ouais, mais moi je pensais qu'il allait bouger au premier justement. Il a bougé. Même le but. Ça m'a surpris quand il a croisé. Le but, tu croises aussi. Dans ma tête, moi tous les jours, le ballon il vient de là. C'est médical, c'est pour les croiser tout ça. En fait, je pense que dans tous les cas, je pense qu'on est une équipe, qu'on est soudés, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, on est tous ensemble. Et ça, je le répète tout le temps, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et si c'est pas Modric qui fait le taf, c'est B2. Et c'est pour ça qu'en fait, jusqu'au bout, on sait qu'on est fort dans notre cohésion d'équipe et qu'on pourra faire la différence, même si c'est en prolongation. J'ai un message à faire passer aussi. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous pouvez mettre B2 dans les nominés joueurs de la semaine, parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, genre, c'est vraiment fort. Et je le salue pour ça. On va y réfléchir. Je t'envoie mon rib en privé. Attends, c'est trop. Mais la panenka, je vois pas à quel moment tu te dis je la tire au milieu. Je me suis dit la tire au milieu. Je te mens pas, ce matin t'as vu, je suis parti. Franchement, je suis parti en jeu technique. J'essayais, j'arrivais pas à tirer pénalty. J'ai envie de m'entraîner, mais j'arrivais pas. Je me suis dit si je tire. Hier t'as gagné toutes les séances. Oui, hier, mais tout à l'heure, ce matin, je suis parti dans l'arène. Mais ce qui est ouf, c'est que le mec, la semaine dernière, il voit que tu tires tous tes pénaux au milieu, il se dit pas, je reste au milieu, tu vois. Regarde la tête de Ronaldinho. Et je vais de ce côté. Et au dernier moment, je lâche le Jessie. Ouais, après, c'est vrai qu'il plonge du côté que t'as indiqué avec la tête, ouais.